Alors maintenant que tu connais la méthode graphique et la méthode par substitution pour résoudre un système, je vais te montrer comment on utilise une méthode qui s'appelle la méthode par élimination. Et à ce moment-là, tu connaîtras toutes les méthodes, t'en sauras autant que moi et n'importe quel mathématicien sur la résolution d'un système de deux équations avec deux inconnues. On va appliquer ça à cet exemple de système. 3x plus 4y est égal à 2,5. Et deuxième équation, 5x moins 4y, 5x moins 4y est égal à 25,5. Alors, un réflexe que tu devrais avoir quand tu vois ce genre d'équation, c'est que ce 2,5 et ce 25,5 devraient te déranger un peu et t'aimerais bien manipuler des nombres entiers. Donc, on va multiplier chacune de ces équations par 2, ce qui fait qu'on obtient 6x plus 8y est égal à 2,5 fois 2, c'est comme 5 demi fois 2 en fait, ça donne 5. Ok, on va appliquer la même chose en bas, on aimerait bien avoir des nombres entiers, donc on va multiplier par 2, 10x moins 8y est égal à 51, okay, parce que 25 demi, 25,5 correspond à 51 demi. Voilà, ce sera plus facile à manipuler, cette expression. Alors, en quoi consiste la méthode par élimination? Eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'éliminer une des inconnues directement. Comment est-ce qu'on va éliminer une inconnue? Eh bien, par exemple, on va prendre cette première équation, okay, la première équation en jaune, et on va lui ajouter ou lui soustraire quelque chose afin d'enlever une inconnue. Ici, quelque chose qui devrait sauter aux yeux, c'est assez gros comme une maison en fait, c'est que si on ajoute cette expression 10x moins 8y à celle-ci, 6x plus 8y, et bien les 8y vont s'annuler, ils vont disparaître. Alors bien sûr, on a le droit d'ajouter 10x moins 8y à gauche ici, du moment qu'on l'ajoute aussi à droite. Donc il faudra faire 5 plus 10x moins 8y. Mais au lieu de faire 5 plus 10x moins 8y, et ben, on va remplacer 10x moins 8y par 51, parce que 10x moins 8y est égal à 51 d'après cette équation en vert. Donc allons-y. Et pour présenter ton travail, je te propose de nommer les équations. Quand on utilise la méthode par élimination, c'est bien de donner des noms à tes équations. On va les nommer L1 et L2 comme ligne 1 et ligne 2. Et l'opération qu'on s'était proposé de faire, c'était l'opération L1 plus L2. On va additionner L1 et L2. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la chose suivante, L1, donc 6x plus 8y, auquel j'ajoute l'expression dans L2, donc plus 10x moins 8y, et à quoi est égale cette expression qui mélange nos deux équations? Eh bien, elle est égale à 6x plus 8y, c'est-à-dire 5, plus 10x moins 8y, 10x moins 8y, qui est égal à 51. Donc voilà, on a une équivalence parfaite entre le côté gauche et le côté droit, on est d'accord. Alors, prochaine étape, il s'agit d'abord d'éliminer les 8y, c'était bien là le but de toute cette opération. Et ensuite, d'ajouter 6x à 10x qui font 16x, qui est égal à 5 plus 51, 56. Ok, on va maintenant diviser par 16 des deux côtés. 56 divisé par 16. Oula, un peu de calcul mental s'annonce. Donc, la manière la plus facile, on va d'abord diviser par 2, hein, le numérateur et le dénominateur. On aura une expression plus simple. 56 divisé par 2, 25 plus 3, 28. Divisé par 16 divisé par 2, 8. Ok, maintenant c'est plus simple. 28 et 8 sont tous les deux multiples de 4. 28 divisé par 4, 7. 8 divisé par 4, 2. Voilà, x est égal à 7 demi. X égale 7 demi. On a trouvé la première inconnue, et maintenant, pour trouver la deuxième inconnue, qu'est-ce qu'on fait? On va injecter x dans une de ces deux expressions. On peut choisir une expression au hasard. Je vais prendre la deuxième. On va injecter x dans la valeur de x dans la deuxième équation, et on va pouvoir avoir une équation où y est la seule inconnue. Donc allons-y, on va écrire L2 à nouveau, l'équation L2, cette fois en connaissant la valeur de x, donc 10 fois 7 demi, 10 fois 7 demi moins 8y est égal à 51. 51. Qu'est-ce que ça donne? 10 fois 7 demi, ça fait 70 divisé par 2, 35. Moins 8y,
est égal à 51. On va soustraire maintenant 35 des deux côtés et obtenir moins 8y est égal à 51 moins 35, ça fait 21 moins 5, 16. Donc y est égal à 16 divisé par moins 8, on a divisé par moins 8 des deux côtés et ça donne y est égal à 2, moins 2, pardon, y est égal à moins 2. Voilà, x égale 7 demi, y égale moins 2. Attention, c'est pas fini. On va maintenant vérifier que le couple 7 demi moins 2 est bien solution du système. On va réinjecter les valeurs de x et y dans chaque équation et vérifier notre réponse. Donc d'abord, on va vérifier pour L1. Est-ce que 6 fois 7 demi plus 8 fois moins 2 est égal à 5? 6 fois 7 sur 2, ça fait 3 fois 7, 21. 8 fois moins 2, moins 16. Oui, c'est bon. 21 moins 16 est égal à 5. C'est vérifié pour la première équation. Pour la deuxième équation, est-ce que 10 fois 7 demi moins 8 fois moins 2 font 51? On va voir. 10 fois 7, donc 70 sur 2, 35. Moins 8 fois moins 2 font plus 16. Est-ce que 35 plus 16 est égal à 51? Et oui, c'est bien le cas. Donc, on a également vérifié que le couple 7 demi moins 2 est solution de la deuxième équation et donc du système en entier. Allez, on va se motiver maintenant pour appliquer ces nouvelles connaissances qu'on a, la connaissance de la méthode par élimination sur un problème. On va l'appliquer à un problème. Alors, quel est ce problème? On va le lire ensemble. Nathalie et Pierre vont acheter des bonbons. Nathalie achète 3 barres de chocolat, 3 barres, et 4 pâtes de fruits. 4 pâtes de fruits pour un total de 2,84 €. Voilà les informations sur l'achat de Nathalie, en jaune. Pierre achète aussi 3 barres de chocolat. 3 barres de chocolat, mais avec ce qui lui reste, il ne peut s'offrir qu'une seule pâte de fruits. Donc une pâte de fruits, et le tout lui coûte 1,79 €. Voilà en vert les informations principales sur l'achat de Pierre. La question, combien coûte une barre de chocolat et combien coûte une pâte de fruits? Donc, premier réflexe, on va poser les inconnus. On a deux inconnus, le prix d'une barre de chocolat et le prix d'une pâte de fruits. Soit B, le prix d'une barre de chocolat, et soit P, le prix d'une pâte de fruits. B comme barre, P comme pâte. Le défi qui se présente à nous est à présent de mettre sous forme mathématique les informations qu'on a ici sous forme de texte et obtenir un système d'équations qu'on sait résoudre à présent par la méthode par élimination. Alors allons-y. L'information en jaune, 3 barres de chocolat, ça coûte combien 3 barres de chocolat? Je sais qu'une barre de chocolat coûte B, donc 3 barres de chocolat coûtent 3B, on est d'accord. 3 barres de chocolat coûtent 3B, 4 pâtes de fruits coûtent 4P, donc 3 barres de chocolat et 4 pâtes de fruits coûtent 3B plus 4P qui font 2,84 € d'après l'information sur l'achat de Nathalie. Même logique pour Pierre, 3 barres de chocolat coûtent 3B, une pâte de fruits coûte P, et donc 3 barres de chocolat et une pâte de fruits doivent coûter 1,79 € d'après l'information que j'ai soulignée en vert ici, l'information sur Pierre. Comment est-ce qu'on va résoudre ce système d'équations? Avec la méthode par élimination, c'est très pratique parce qu'on remarque tout de suite qu'on a 3b en haut et 3b en bas. Donc on est très tenté de prendre cette expression et de soustraire cette expression. Ça éliminera 3b, ça fera disparaître 3b. Et donc on a le droit de faire ça, on a le droit de soustraire 3b plus p ici, du moment qu'on le soustrait ici aussi. Et vu que c'est égal à 1,79, on va soustraire 1,79 ici. Donc allons-y, maintenant on sait faire ça, on va faire L1 moins L2, hein, moins L2, pas plus L2, ça sert à rien de faire plus L2, on obtiendrait 6B, pardon, à la place de 0B. Nous, on veut éliminer B. C'est ça notre objectif. Alors bien sûr, on a nommé L1 et L2 nos deux équations. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait L1 moins L2? Eh bien, on obtient 3B plus 4P, auquel je vais soustraire 3b plus p,
3b plus p. Et qu'est-ce que j'obtiens quand je fais ça? J'obtiens 3b plus 4p qui font 2,84 d'après L1, moins 3b plus p qui font 1,79 d'après L2. 1,79. Prochaine étape, alors 3b et moins 3b vont s'éliminer. 4p moins p font 3p. Et à droite, on obtient 2,84 moins 1,79, donc 2 moins 1, 1 au niveau des unités. Et après la virgule, 84 moins 79 font 14 moins 9 qui font 5, donc 1,05. Et on obtient donc P est égal à 1,05 divisé par 3. On a divisé par 3 des deux côtés. Je vais maintenant poser la division. 1,05 divisé par 3. Alors, 10 divisé par 3, 3. Il me reste 1. 15 divisé par 3, 5. Et il me reste 0. 3 fois 5, 15. Donc, le prix d'une pâte de fruits est de 35 centimes. P égale 0,35 euros. La prochaine étape consiste à injecter la valeur de P, 0,35, dans une des deux équations et de résoudre une équation où la seule inconnue serait B. Alors je vais plutôt l'injecter dans la deuxième équation. Elle me plaît plus parce que je n'aurai pas à faire la multiplication par 4. Écrivons cette deuxième équation, L2. Maintenant que je connais P, je peux écrire 3B plus 0,35 est égal à 1,79. Donc 3B est égal à 1,49 moins 5, 44. 1,44. J'ai soustrait 0,35 des deux côtés. Étape finale, on divise par 3 de chaque côté et on obtient 1,44 sur 3. Idem, je vais poser la division, donc 1,44 divisé par 3, 14 divisé par 3, 4, hein, 3 fois 4, 12, 14 moins 12, 2, donc il me reste 2, et 24 divisé par 3, 8, 3 fois 8, 24, il me reste 0, donc le prix d'une barre de chocolat est de 48 centimes, B est égal à 0,48. Ça y est, on a résolu notre système, et comme d'habitude, je te conseille à la maison de vérifier que le couple 0,35, 0,48 est bien solution de ce système d'équations.